Jungasaurus. Ce sont les dinosaures comme celui-ci qui peuvent poser problème. Petit et trapu, il vit pour chasser. C'est aussi l'un des seuls dinosaures à notre connaissance qui aurait eu un comportement cannibale. Il n'y a rien de tel que d'avoir ses amis à dîner. Que dire de plus? Indominus Rex est ma plus belle création. La nature peut créer un dinosaure, mais moi seul pouvais donner naissance à celui-ci. Tant d'heures de recherche, de mélange, d'épissage et de manipulation génétique ont été nécessaires pour obtenir ce résultat. Sans compter beaucoup de détermination. Le résultat est un dinosaure hybride aussi beau que mortel. Le super prédateur ultime. Je vous prie de lui accorder le soin et le respect qu'il mérite. Ce dinosaure a été créé dans un but précis. Il a une excellente vision nocturne et peut détecter ses proies en utilisant l'écholocalisation. La nature aurait peut-être fini par créer l'Indoraptor, mais je l'ai fait avant elle. Est-il dangereux? Oui, mais la science l'est aussi. Thank you.
vous souvenez dans votre jeunesse quand on vous disait de ne pas aller dans l'eau après manger? Avec ce prédateur, le Tylosaurus, et c'est une fois dans l'eau qu'on se fait manger. Le cauchemar de tous les marins. Ce carnivore est un ajout spectaculaire à notre collection. Il ne lui manque plus que vous preniez bien soin de lui. De transport. À tête plate, omalocéphale, peut sembler sans importance, voire même mignon, aux yeux de certains. Mais la science prévaut. Il y a toujours quelque chose à apprendre.
savons que l'habitat principal de cet animal était la forêt primordiale qui recouvrait autrefois la planète. Il s'appelle Dryosaur. Avant nos recherches, il n'y avait aucune information sur les spécimens adultes de ce dinosaure. Nous n'avions que des fossiles de spécimens juvéniles. Mais maintenant, le mal est réparé. Le Parasaurolophus a un certain sens du spectacle, surtout en ce qui concerne sa tête. Il se distingue par une crête qu'il utilise à la fois pour amplifier ses vocalises et pour réguler sa température corporelle. Le canard s'appelle Holorotitan. C'est l'un des derniers dinosaures non-aviaires à avoir disparu. Jusqu'à ce qu'on le ressuscite, bien sûr. Et maintenant, nous pouvons l'admirer et l'étudier. L'Holorotitan est un herbivore qui use ses dents en mangeant. Mais des centaines d'autres sont toujours prêtes à prendre leur place. Il y a probablement une leçon à tirer de cela.
attraper les espèces au sol qui s'échappent. Et s'ils prennent la voie des airs, les jeux sont faits. Voici le Seara Dactylus. Nous devons faire en sorte qu'il reste confiné dans la volière. Cette espèce de dinosaure tire son nom du mot latin pour terrifiant. Rien que ça. Serait assez effrayante comme ça. Mais cet animal, le dimorphodon, possède deux types distincts de dents. Et il vole. Enfin, plus exactement, il plane. Changzuzorus. Super! Vraiment génial que nous fassions revivre tous ces prédateurs rapides et affamés. Et encore mieux que les portes de mon bureau ferment bien à clé.